Mimi. Et une nouvelle balle d'égalisation à 3 jeux partout dans la deuxième manche pour l'Australien. Peut relancer cette partie qui se jouait de façon unilatérale jusque-là. Mais McNamee, qui est un joueur tout à fait infatigable, souvenez-vous de ses 4-7 il y a 3 ans face à McEnroe sur ce même central avec 4 tie-breaks, a décidé de reculer volontairement. Il joue 2 mètres derrière sa ligne de fond de court, craignant les accélérations d'Ivan Lendl. Il ramène absolument tout. Et pour l'instant. Comme Lendl ne monte pas au filet, et comme Lendl commet la faute dans l'échange actuellement, et bien McNamee est revenu au niveau de son adversaire. 3 jeux partout dans la deuxième manche, premier set remporté par le Tchécoslovaque, 6 jeux à 1.
Lendl se l'a dicté d'Ivan Lendl. Soit deux balles de break en faveur du Tchécoslovaque. Et Lendl qui s'invective de la voix, vous l'avez entendu dire, allez vas-y. Il est resté du bon côté, Ivan Lendl, sur cette attaque de Paul McNamee. Bien lui en a pris, car devant la violence du passing shot le long de la ligne du Tchécoslovaque, McNamee a commis la faute au filet. 4 jeux à 3 pour Ivan Lendl dans cette deuxième manche. Et Lendl, Hervé Dutu, a très bien compris le danger qu'il y avait à ne rester qu'à fond de court. Et sur ce jeu important, le septième du set, il n'a pas hésité à monter à 3 reprises à la volée pour essayer de prendre l'avantage sur son adversaire. C'est l'un des points que le Tchécoslovaque travaille le plus avec son ami plus que son entraîneur Wojciech Fibak, qui est au prix sur un autre court. Pour une qualification et pour affronter Noah face au Hongrois Balastaroxy. Mais Ivan Lendl répugne encore à monter au filet. Et c'est dommage car il possède, s'il ne possède pas les enchaînements. Hervé, le fameux échange dont nous voulions reparler. Voici une amortie fort bien rattrapée, un lob derrière en demi-volée. Lendl va maintenant courir à côté de la balle. Il a regardé comment ce lob venait. Hop, en prenant la balle par-dessus, on la coiffant très nettement. Il fait un superbe lob lifté. Retenez que lorsqu'on est lobé de cette façon, il faut absolument courir à côté de la balle et non pas dans la même trajectoire que la balle pour réussir ce genre de coup, sinon on ne peut pas le développer. C'était un peu courte d'Ivan Lendl. McNamee était parfaitement placé pour exécuter ce passing shot. Voilà un coup
assez nouveau dans le tennis, des volées de coup droit frappées de pleine volée en liftant la balle. C'est certains joueurs qui l'utilisent maintenant et ça marche. Sundström à Monte Carlo face à Wilander en finale l'avait utilisé à 3 ou 4 reprises pour 3 ou 4 points gagnants, il faut le signaler. Exact. Et Joe Lendl, le Tchécoslovaque, mène 5 jeux à 3 dans le deuxième set. Regrettable tout de même que McNamee n'ait pas su saisir sa chance, car Ivan Lendl non seulement joue un ton en dessous, mais lorsqu'il est accroché au score, comme cela a failli être le cas, il doute, il perd une partie de ses moyens, il n'aime pas être accroché. Van Lendl ne joue jamais aussi bien que lorsqu'il mène au score et cela va devenir de plus en plus difficile pour Paul McNamee. 15-0. En l'occurrence, il a senti qu'il était en danger. Pour une fois, au lieu de se cantonner à fond de court et de jouer un peu petit bras, eh bien, il a lâché les couilles, il est monté derrière au filet. Ça lui a bien réussi. Cela prouverait qu'il fait des progrès dans ce compartiment du jeu aussi. Il s'est bien repris, l'Australien. Il remporte son service, n'est plus mené que par 5 jeux à 4. Et Ivan Lendl va servir pour le gain du set. Il n'a aucune raison de jouer petit bras, le Tchécoslovaque. Il n'est pas mené. Il n'a jamais été inquiété depuis le début de cette rencontre. Et il va vraisemblablement servir des premières balles aussi performantes que celles qu'il a servies depuis le début de cette rencontre. Je vous signale par ailleurs que Juan Aguilera, l'Espagnol, s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale de ces internationaux de France.